vous souhaite à tous une agréable semaine. Faut garder le sourire tant qu'il y a la santé, tout va bien. Faut garder le sourire tant qu'il y a la famille, tout va bien. Hello, oh. Papa Matuyo s'en fout, allez, yeah. Bon, alors, il faut savoir que là, j'ai fait une petite recette là qui va, je pense que ça va vous plaire, c'est super bon. C'est une invention que je fais depuis des années, sauf que d'habitude, je mets que du comté. Mais là, mon fils est venu, il a mangé la moitié du comté l'autre fois. Donc du coup, j'avais plus assez de comté. Donc du coup, j'ai mélangé, j'avais acheté une sorte de, avec de la raclette, si vous aimez la raclette, moi j'aime pas la raclette, mais ça a super goût de raclette. En fait, eh ben, vous mettez de la, c'est de la raclette, de la raclette râpée, de la raclette râpée, voilà, avec de la tome, et vous mélangez ça, et sinon vous pouvez tout simplement, moi je vous assure que je fais qu'avec du comté, mais j'avais plus assez, en tout cas, vous allez voir, j'espère que ça va vous plaire. Et puis, on se voit tout à l'heure. Bon alors, je vais vous montrer ma recette. Il nous faut de la chipolata, des saucisses ou des saucisses de volaille comme vous voulez. Il nous faut du comté, vous pouvez mettre un autre fromage comme vous voulez. Et moi je rajoute avec de la raclette, de l'emmental et de la tome. C'est du haché de raclette, emmental et tome. Des oignons finement émincés, des pommes de terre pré-cuites, de l'ail, de la ciboulette et de la persillade et bien sûr de l'huile d'olive et du beurre. Après, il nous faut une poêle, une plaque, non, il nous faut une... après il nous faut une poêle, voilà. Voilà ma petite recette que je vais faire, c'est une recette inventée que je fais depuis très longtemps. Sauf qu'avant il n'y avait pas les pommes de terre qui se faisaient pré-cuire, donc je faisais d'abord cuire au préalable les pommes de terre, vous pouvez les faire d'ailleurs. Vous faites cuire au préalable les pommes de terre avec un petit peu d'oignon, un beurre et huile. Et une fois que c'est revenu, vous rajoutez les saucisses. Voilà, je vais vous montrer comment il faut faire. D'accord? Voili voilou! Je vais vous montrer tout ça. Donc là, je mets mon beurre avec mon huile. Et je touille. Je vais faire revenir, comme je vous ai montré au préalable, je vais vous faire revenir mes petits oignons qui ont été archi émincés. Vous voyez? Voilà, je fais venir mes petits oignons. Je vais les faire dorer. En fait, je peux mettre de la sauce parce que voilà, je peux mettre de l'huile d'olive. Hein. Mais c'est de la bonne huile d'olive. Mais vous pouvez prendre celle que vous voulez. Hein. Voilà. Je ne vous cache pas que je vais mettre très peu de sel. Mais moi, je mets du sel moins 50% de sodium. Voilà, j'en ai pas beaucoup. Je fais revenir mes oignons. C'est un truc qui va durer très peu de temps aussi, hein, je ne vous cache pas. Celui-là, non, parce que... Hop, voilà. Donc, je fais revenir les oignons. Je vais faire un peu plus fort. Vous voyez bien, hein. Alors, ma poêle, elle noircit tout le temps, mais c'est... je ne sais pas pourquoi. Voilà. On fait revenir l'oignon. Voilà, comme ça. Non, enfin, plutôt comme ça. Voilà, doré. On n'a pas besoin de les faire, on les fait dorer. Vous avez vu, ils sont dorés. Maintenant, j'ajoute mes saucisses. Voilà. Je vais cuire mes saucisses dans l'oignon. Là, le temps qu'elles cuisent. Hein. Voilà. Je vais rajouter de la persillade. Hop. Et de la ciboulette. Persillade et ciboulette. Et je fais revenir. Vous allez voir, il n'y a rien de plus simple. Par contre, il faut mettre du gras. Alors moi, je mets du prime vert. Parce que c'est pas... c'est végétal. Mais vous mettez que ce que vous voulez comme matière grasse. Hein. Donc moi, c'est considéré comme pas trop de gras, quoi. Voilà. Faut aimer, hein. C'est une recette que je fais depuis des années, que j'ai inventée. Peut-être que ça existe, hein. Je sais pas, hein. Voilà, on va faire revenir les petites saucisses. Je vais rajouter mon ail.
Voilà, l'ail c'est important. C'est bon pour la santé. Alors, on va vous dire que c'est très bien cet appareil, mais alors, voilà. Vous voyez, hop, je récupère. On coupe aussi, voilà. Et on file. Maintenant, j'ai rajouté mes potates, très cuites déjà. Voilà. Alors, pour bien faire, pour pas que ce soit trop sec, j'y rajoute de l'eau. Voilà, j'y rajoute de l'eau. Donc, la moitié d'un cœur. Mes saucisses sont en train de cuire. Et maintenant, le clos des spectacles, dans 2 minutes, le number one du number one. Je rajoute mon comté. Oh, pardon. Voilà. Alors, si vous avez de la ciboulette, rajoutez de la ciboulette, je vous dis, moi. Et moi, je vais rajouter emmental thom, voilà. Emmental thom raclette. Mmh. Allez, tout, allez. On va pas se priver. Non. Là, par contre, je vais vous mettre de l'huile. Hein. Voilà. Je vais baisser le feu parce qu'il n'y a plus besoin. Voilà. Et voilà mon plat. Et moi, je vous dis que ça, vous mangez ça avec une petite salade. Mmh, voilà, j'adore ça. Alors, il faut que ça fonde. Une fois que ça va fondre, vous allez voir, c'est une tuerie. Voilà, c'est une recette que j'ai inventée, que je fais régulièrement. Que je fais très, très souvent. Voilà. Je vous la recommande à 1000%. Franchement, il n'y a rien de plus facile. Même si vous faites cuire au préalable les pommes de terre, après, vous les rajoutez, c'est vraiment une tuerie. Voilà, et moi j'adore ça. Hop, voilà, je vais pas trop touiller. Hein. Voilà, et regardez. Et oh, ça commence. Et hop, oh, regardez. Mmh. Voilà, j'en ai pour 3 jours. Ah, je vous cache pas que j'en ai pour 3 jours. Par contre, je vais mettre un petit peu du chaud. Parce que là, voilà, hop. Et voilà. Eh bien, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, perso, c'est une tuerie. Je vais me régaler. Il faut que je vous mette ça dans l'assiette. Hein. Mmh, non, mais regardez ça. Non, mais regardez le fromage qu'il faut. Ouais, c'est pas calorique. C'est calorique, mais je m'en fous. Regardez. Mmh. Yo, attendez. Hop, moi, je vais vous montrer. Voilà. Voilà. Vous voyez? Regardez. Mmh. Mmh, tout ça. Oh là là. Oh là là. Et on va mettre ça dans une petite assiette. On va le présenter. Vous avez vu que j'ai pas mis beaucoup de... J'ai pas mis beaucoup, beaucoup de... Alors, je vous emmène là. Je suis une sale tête. Hein. Je préfère pas vous voyez ma tête. Je préfère que vous voyez mon assiette. Hop. Et voilà. Alors, comment vous dire, comment vous expliquer que ça, oh mon dieu, regardez, ça file, hop, pouf, ça file, regardez, vous avez vu comment ça file, allez, hop, oh là 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 là, c'est une tuerie. Mmh. Ah, j'ai dit non. Mmh. Oh mon dieu, je n'aurais pas été tombée, je suis en train de manger. Mmh. Et vous mettez ça. Mais vous savez, vous pouvez le faire aussi avec des lardons. On peut le faire avec des lardons, pourquoi pas. Et vous mettez ça avec une petite mâche. Mais voilà. Vous rajoutez une petite tomate. Et ça suffit à soi-même. Hein.
Voilà. Alors, on en pense quoi? Non, mais regardez. Mmh. Mmh. Oh mon Dieu. Mmh. Mais c'est trop bon, hein. Vous avez vu le fromage chiffon? Voilà. Petite fourchette. Pas d'assaisonnement pour la salade parce que j'en ai mis assez. Et on part. Et voilà, je vous montre mon petit plat. C'est pas une tuerie, ça? Et j'ai une nouvelle à vous dire qui me fait plaisir. Mais je vous le dirai bientôt. Papa, je vous aime. Alors, j'ai le pollen, oui, bah, voilà. Moi, qu'est-ce que vous voulez, hein? C'est le pollen, c'est tout. Moi, je collectionne tous. En tout cas, je vous annonce une nouvelle tout à l'heure. Peut-être je fais un live demain ou après-demain. Et je vous l'annoncerai. Abonne-toi et active la cloche!